Alors, diamètre externe, je vais devant ça. À l'œil, c'est même pas à l'œil, hein. C'est vite vu. Ce sont les mêmes. Ah, quoique, non. Celle du fond. Alors, 30, t'as le soin, 31, celle du fond 31, la épaisse, donc je la remets au fond, celle de dessus la cloche, oh, elle fait moins quand même, 29, avec mes yeux de bileux. Hop là, la glisser, mais bien dans l'axe. 29,9 moi je dirais. Eh ben non, 30. Donc une 31, une 30. Alors celle du fond, la épaisse, cette fois sur la largeur. 1, 2, proche de 2,5 et en fait c'est 2. 2,5, et ben voilà, 2,5, vous voyez que j'ai l'œil. Alors là, 2,5 au fond, ensuite on met, ah, faut pas oublier l'axe, enfin, l'axe, la douille, là. Je appelle ça une douille, on baisse la pédale de frein, on rentre tout, pour faire s'enquiller sur les pignons, évidemment, on s'en fout, de toute façon, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur de la rondelle qui va derrière la noix. Et celle-là fait presque 2 à l'œil, hein. Et en fait elle fait 2, ouah, entre 2,1 et 2,2 millimètres, hein. Entre 2,1 et 2,2 millimètres, plutôt 2,1 par rapport à l'autre qui fait, je m'en rappelle même plus ce que j'ai dit. Et celle-là ira là et la noix par-dessus. En attendant, j'aimerais bien rentrer ça. Bon, faut tourner pour trouver la bonne dent, ça y est. Non, ça y est pas. Elle n'est pas rentrée dans la dent là. Voilà, là ça y est. On pousse la douille, la rondelle, la noix. Rondelle, qui est toute fracassée, je vous le rappelle. Et écrou. C'est comme ça que ça se monte. Voilà. Bon, bien sûr, les disques, le plateau de pression, mais pour le moment, c'est pas le sujet. C'est comme ça que ça se monte.